Salut à tous, c'est Salut 45 et on se retrouve pour la suite de Ratchet et Clank. C'est parti. Et c'est ainsi que Ratchet et Clank partirent réparer leur vaisseau avec l'aide du plombier. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient bientôt côtoyer le sublime, qu'ils allaient entendre ses puissants muscles craquer. Mais d'abord, ils allaient devoir affronter un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Oh, pas si vite. J'ai pas souvenir d'un T-Rex zombie mangeur de cerveau. Ok, ça va. Rabat-joie. Bon, tout a l'air d'être en état de marche. Promettez-moi de remettre cet info-robot au Capitaine Quirk. Je vous le promets. Merci pour votre aide. Pas de problème. On se voit dans le prochain remake. Alors, entre dans le vaisseau. Sauveteur. Ratchet et Clank découvrirent que leur vaisseau réparé disposait désormais d'un ordinateur de navigation dans l'hyperespace dernier cri. Ça, on a fait tout. Là, il reste encore une option. Oh, il y a encore... Allons sur Kerwan pour prévenir les Rangers. Kerwan. On arrive trop tard. L'invasion a déjà commencé. Fais le tour des fréquences d'urgence. On doit savoir ce qui se passe au sol. À toutes les unités, le QG des héros est pris d'assaut. Je répète, les vaisseaux ennemis sont en train d'envahir le centre-ville d'Aliro City. Nos troupes essuient des tirs fournis au QG des héros. Et un transport Blark approche à grande vitesse. Préparez-vous à affronter une autre vague de robots de guerre, Ranger. À tous les civils, évacuez la zone immédiatement. On doit aider les Rangers galactiques. Activation des systèmes d'armement. Arme activée. C'est bon, tu peux attaquer le transport. Ah, ça a inversé. En bas, en haut. Ratchet, c'est peut-être le moment de tester ces systèmes d'armement. Waouh, je vois là un petit peu, on sait. Capitaine, un vaisseau non identifié est en train de nous venir en aide. Transport détruit. Ouais. J'ignore qui vous êtes, mais merci. D'autres transports. Ces transports sont en train de larguer des robots de guerre sur toute la ville. Alors là, sûrement pas. Aïe. Transport Blark détruit. Il a détruit un autre vaisseau. Ah, j'aime pas la... l'amabilité. Un autre transport au moins. Il semble qu'il ne reste plus que trois vaisseaux. J'aime pas comment ça se pilote ce truc-là. C'est un peu les touches inversées. Oh. Ah ouais. Ouais, ils sont... Ouais, un autre au moins. Il n'y a plus que deux vaisseaux. Alors, l'autre, il est où? Ah, j'ai pas réussi, hein. Ah, il est en bas. Ouais, on les enchaîne. Plus qu'un vaisseau. C'était le dernier. Merci, les gars. Okay. On dirait que vous avez eu tous les transports. Mais il reste à éliminer ce vaisseau de guerre. Le blindage des robots de guerre est fait d'un alliage de raritanium. Si on parvient à propulser un de ces robots à une vitesse suffisante, je pense qu'il pourra pénétrer la coque. Génial! Et comment on fait ça? Ton kit d'armes contient un turbo-aimant. Je suis en train de réécrire le logiciel pour isoler le blindage des robots de guerre. Ah, voilà! Tu devrais désormais pouvoir attirer les robots grâce au turbo-aimant. Ok, je vais essayer. Turbo-aimant activé! Turbo-aimant activé! Il doit y avoir des robots de guerre dans la zone. Tu peux maintenant les ramasser et les larguer sur le vaisseau de guerre.
Ouvre le turbo aimant. Robot aimanté, allons rendre visite à ce vaisseau de guerre. Il reste assez de puissance pour quelques robots si tu refais un passage. On les tient, et maintenant on va les renvoyer chez eux. On peut en ramasser d'autres, survole-les encore une fois. Ok, les robots de guerre, accrochez-vous. Ah ok, je suis pas obligé de, ouais, de rester appuyé, et du coup faut que j'en vais où? Ah, sur là. Verrouillage. Lâche tout. Robot de guerre largué. Boum. Ah ok. Ça alors. C'était incroyable. Bien joué, Ratchet. Excellent. C'est reparti pour un tour. Je nous dirige immédiatement vers le vaisseau de guerre Blarg. Tiens-toi prêt. C'est parti. On est encore là. Ça a marché. Oups, désolé. Il reste assez de puissance pour quelques robots si tu refais un passage. Maintenant. Salut. Cool. Il en reste que quelques-uns. Continue. Impressionnant, mais ma personne viendra à bout de ces robots de guerre. À un moment. Pas eu. Active danger. Danger. Oula, ça craint. Danger. Je pense qu'on peut réparer notre appareil en utilisant les nanotechs que perdent ces vaisseaux Blarg. Ratchet, le vaisseau a subi trop de dégâts. Nous devons trouver des... Attends encore. Lâche les robots de guerre. Ouais, prends ça. Je crois que le vaisseau de guerre a subi des dégâts critiques. Ouais, ouais. Encore un coup et c'est bon. Je sais pas, je peux réparer où mon vaisseau. Vous tiens. Certains de ces vaisseaux ont des nanotechs. Visez-les pour réparer votre appareil. Ah d'accord, parce que là, il me reste plus qu'un. Et bon. On a réussi. Bien joué. Voilà, pas de sang. Ah, il me restait qu'un PV. Hein. Les amis, laissez un peu de place à nos héros pour respirer. Je serai heureux de répondre à toutes vos questions pour... Et si Dallas Wanamaker, cela veut-il dire que vous demandez à ces héros de rejoindre les Rangers? Je vous demande pardon. Eh bien, je suppose que oui. Et voilà comment, par pure chance, notre long bacille expérimenté vint à bout d'un croiseur Blarg. C'était pas de la chance. Le robot et lui faisaient une super équipe. On ne t'a rien demandé, Bill le solitaire. On donne sa part de flanc à un type une fois et on ne peut plus s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, Drake n'a pas vraiment apprécié qu'un Lombax et son acolyte robot viennent ruiner son plan. Alors il a envoyé des mercenaires Blarg pour les éliminer. Est-ce que tout va bien? Tous les systèmes sont opérationnels, mais on devrait retourner au QG des héros. Hé, Ratchet, où t'es passé? Ta formation doit commencer dans quelques minutes.
Désolé, Brax. Clank et moi, on a eu quelques problèmes avec le vaisseau. On dirait qu'il y a encore quelques blagues. Oh, les chiens. On a dû les rater quand on a balayé le périmètre. Brax va faire un tour au QG des héros pour vérifier qu'ils n'ont pas réussi à rentrer. T'as pas assez de boulot, désolé. Il faut bien que j'achète des holocartes à mes enfants. Voilà comment on transforme une super arme en une arme démente. Bien reçu. En attendant, j'ai un ami près de ta position qui pourra t'aider. Il s'appelle Al. Je voulais attendre la fin de ta formation pour te le présenter, mais... Ah merde, ça c'est bon ça. Va le voir et demande-lui d'améliorer Clank. Si tu lui dis que c'est pour les Rangers, il ne devrait pas te faire payer. C'est le gars des holocartes, c'est ça? Ouais, on le connaît. Ici le capitaine Quark. Je tenais juste à vous rappeler que je suis avec vous. Je me remercie. C'est dans le plombage. À sec. Ah. J'ai plus de munitions et j'ai presque plus de vie. Hein. Voilà des renforts blargue. Oula. Non. Mais il m'a couché par terre et puis après il m'a foutu une claque. Que Lombax et cette fichue anomalie peuvent être n'importe où. Voilà d'autres blargues. Alors, Ratchet, t'es arrivé chez Al? On y est presque. Ah, j'ai le dos en compote. Pourquoi est-ce qu'il a pas demandé à Vice Antonio de chercher ça? Aïe. D'accord, j'étais dans le mur. Qui va là? Montrez-vous sinon j'appelle la police. J'en suis au niveau 7 de Bicorne 2, le retour de la Bicorne. Alors je vous préviens, si je suis obligé...
que vous l'ont. Je suis mort et je suis au paradis des geeks. Incroyable. Ils ont amour, gloire et placement mitraille. Le fangoïd au bâton. Ouh, Spyro, l'élan de l'espace. Ils ont même la méga édition ultra limitée de Intransigeance Fall of Blarg. Vous aurez du contenu bonus avec celui-là si vous précommandez avec Gadgetron. Vous devez être les gars dont Cora m'a parlé. Ceux qui ont besoin d'une amélioration Helipack. Et tu dois être Hal. Ravi de te rencontrer. Je suis Clank. Et voici Ratchet. Eh bien, les amis de Cora sont aussi mes amis. Le courant passe entre elle et moi, mais aucun de nous n'a encore fait le premier pas. Monte sur mon établi. Je vais m'occuper de toi. Ouais, bah, lui mettre les hélices. Je replace la carte, sœur. Je reconnecte le port. Et c'est bon. Essaie pour voir. Ça m'a l'air nickel. Pour retourner au QG des héros, c'est simple. Continue dans cette direction jusqu'à ce que tu trouves la gare gravitationnelle. Ça t'y emmènera directement. Ah oui, coup 8000, moi j'ai 7000. Merci encore, Hal. Nos héros étaient propulsés dans les airs grâce aux performances étonnantes de leur helipack. Ok. Pourtant, seuls les héros de mon envergure pouvaient effectuer des sauts aussi impressionnants. Heureusement, le nouvel helipack de Clank leur permettait d'effleurer les exploits. Nos deux héros étaient au bord du vide. Leur nouvel helipack allait-il leur permettre d'atterrir en sécurité? On est plus très loin de la gare. Non. Montage, montez. Il a pas pu aller bien loin. Viens. C'est quoi? C'est moi. C'est quoi, Nicori? Comme ça, appelle eux en danse sur le train. À tous les passagers, en raison de l'invasion récente, tous les trains doivent grouiller de mercenaires Blarg à l'heure juste au temps. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Oh! On est tombé. Voilà, tu touches. Aïe! On a piqué les fesses. Ça y est! Viens! On a qu'à monter! À tous les voyageurs, le train gravitationnel T va partir. Prochain arrêt, le QG des héros. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train A quitte la gare. Le président Drake veut que ces charges soient déposées au QG des héros immédiatement. Allez, Clank, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est quoi ça? Oh.
J'espère que ça ne coûtait pas trop cher. Je suis sûr qu'ils ont une très bonne raison de transporter des poissons tueurs à bord. C'est quoi ça? Wow, il y a des animaux vivants à bord. Voilà. Cette bombe contient une charge de 5 kilotonnes. Si elle explosait près du QG des héros, ce serait un véritable désastre. Alors, on va devoir faire vite. Pas mort. Oh non, je suis à sec. Un détonateur de proximité. Elles exploseront dès qu'elles arriveront au QG des héros. Je vois. On va descendre à la prochaine alors. Allez. Amération, combustion. Tu vois, c'était facile. On arrive au QG des héros. Bien reçu, Ratchet. Je te rejoins à l'entrée principale pour commencer ta formation. On a reçu le feu vert pour attaquer Drake Industries dans 3 jours. Ça veut dire que vous deux, vous allez avoir une formation accélérée. Oh, prends ça, viché ses parents en 99. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas te faire botter les fesses? Salut, Hélaris. Salut, Brax. Hélaris est chargée de développer notre équipement et de fournir un soutien tactique. Je m'occupe surtout de l'équipement. Les Rangers tirent d'abord et pensent après. Désolé, c'était pas ce que je voulais dire. Hein? Dire quoi? Viens, on va te faire visiter. Suis-moi, cadet. On va faire de toi un Ranger. À tout à l'heure. On va trop s'éclater. Ta proto-armure est le matériel de combat le plus sophistiqué du marché. Et les couleurs de la collection automne sont vraiment top. Cool. C'est hallucinant. C'est quoi la suite? Un saut en parachute en territoire ennemi? Un entraînement au combat suborbital? Patience, cadet. On passe à l'entraînement de base. Le capitaine a conçu ce cours pour nous aider à atteindre notre forme optimale. Bonne chance. Ouais, c'est vrai, tout le finisse. Sur la PS2 aussi, t'es sûr. Bonjour cadet, et bienvenue au cours de fitness du Capitaine Quark. Ici, vous développerez votre force physique ainsi que votre... force du cerveau. Tout le monde est prêt à commencer? Alors, c'est parti. Par où? Mince. C'est le parcours du combattant, ça. Le sommet de la justice. Tu vas ressentir la morsure de la vertu dans tes quadriceps. Et des courbatures aussi.
escalader la tour du pouvoir. Pour cela, tu vas devoir sauter d'une plateforme à l'autre. Mais vas-y doucement, ces structures ne tiennent pas en place. Sans aucun signe avant-coureur, elles changent brutalement de position. Hésitant, mais je suis tombé. Non, j'ai tout tombé. Oh, j'étais bon. Ah, c'est où le... Ah, on recommence. Hop là. Ça après. Voilà, bah je tombe. Pas trop. Encore ? Rappelle-toi, il n'y avait qu'une seule. Il a du mal à monter, hein. Ah, c'est comme sur la PS2, il a du mal à grimper. Félicitations, tu as conquis la tour du pouvoir. Dirige-toi vers la plateforme principale pour récupérer ton prix, Ranger. Voilà. Un peu juste, hein. Fortifie pas seulement les muscles, mais aussi le caractère. Alors, non, ça, ouais. Maintenant, le taxi. Sur la PS2, c'était une dame qui nous attendait. Tu as fini mon programme d'entraînement, à ce que je vois. Tu es vraiment plein de ressources étonnantes. Rejoins-moi devant le QG des héros. J'ai un autre exercice à te proposer. Nos héros s'arrêtèrent un moment pour admirer une statue de moi. Puisque tu es l'un des nôtres maintenant, je me suis dit qu'il était temps que tu aies ton véhicule. Quoi ? Une corvette stellaire de classe G ? C'est pour moi ? Techniquement, elle appartient aux Rangers Galactiques. Mais si tu survis, si tu termines cette mission top secrète, mais néanmoins tout à fait faisable, elle sera entièrement à toi. C'est quoi cette mission secrète ? Elle s'appelle Opération Étoile Filante. Félicitations, petit. Tu as été sélectionné pour l'opération Étoile Filante. D'après nos services de renseignement, le président Drake a un laboratoire d'armement de pointe dans la nébuleuse G-34. Ta mission est d'anéantir son projet top secret sans, et j'insiste sur ce point, sans le dire à personne. Jamais. Je suis sérieux, ce sera notre petit secret. D'accord, mais je ne vois pas pourquoi... Merci d'attendre la fin de la présentation pour poser tes questions. Pour pénétrer dans le labo de Drake, tu auras besoin d'un crocheteur, de ruse et du courage qu'on trouve généralement chez les rangers plus expérimentés. Tu rentres, tu détruis le projet sur lequel ils travaillent et tu ressors. Je suivrai ta progression ici. Bonne chance. J'aimerais rester pour ton départ, mais j'ai un rendez-vous urgent chez l'acupuncteur. Appelle-moi quand tu seras dans la nébuleuse G-34. Je compte sur toi, Ratchet. Ça marche, capitaine. Elle a dû la nébuleuse G-34. Du coup, on n'a même pas allé à la Aria. Nécessite sauver Skid Mac Zarida. Ok. Je sauve quelqu'un.
as suffisamment de... Capitaine, à vous. Clank et moi sommes en position et prêts à lancer l'opération Étoile Filante. Bien reçu, tu peux continuer à avancer. Je vais suivre ta progression d'ici. Attends, j'ai assez là pour ça maintenant. Magnifique. Et n'oublie pas, laisse Monsieur Zurkon faire tout le travail pour toi. Okay. La porte était verrouillée. Nos héros étaient dans une matière peu ragoûtante jusqu'au cou, enfermés avec leur détresse. Si seulement ils avaient un crocheteur. Aborder le vaisseau de guerre. Ouais, ok, y'a rien. Faut aller là. D'après ma base de données, nous allons vers une navette conçue pour transporter les expériences auxquelles Drake tient le plus. Il sait s'occuper, on ne peut pas lui enlever ça. Allons voir ce qu'il a encore fait. Intrus détecté. Intrus détecté. Ils ont réussi à rentrer dans le vaisseau. À vous les blancs, prenez la première arme qui vous tombe sous la main et ouvrez le feu. Bon. C'est pour ça qu'il tire dans... Il tire en bas lui. C'est la même porte que tout à l'heure, ça. Ouais. Ok. Bonjour. C'est bon, t'es mort. C'est bon, explose. Regarde un peu ça. Classe, hein. Verrouillage automatique, charge pyrocybique. Ah d'accord, je mets... Ah, la tête comme ça. Ah oui d'accord, il vient nous aider. C'est pas comme sur la PSE. Sur la PSE, on peut envoyer des petits robots. Autorisé d'une arme détectée. Séquence d'autodestruction initiée. Quoi? Ratchet, on ne doit pas s'arrêter. Je n'aime pas ça du tout. Le vaisseau s'autodestruira dans 20 secondes. J'ai emparé du lance-prédateur. Oh, wow. Le vaisseau s'autodétruira dans 10 secondes. Allez, je suis parti, bon. Pas le temps. On a été un peu retardé, mais c'est bon. Ouais, mais du coup, là, je peux pas. J'ai pas j'ai le qu'il faut pour rendre les héros encore plus héroïques. Jette un œil. Ok. Peut-être une autre porte. Hein, mes détecteurs signalent la présence d'un prototype de Drake derrière ce sas. Qu'est-ce que c'est? Ça alors, c'est une puce d'amélioration de robot gadget.
Je dois pouvoir reprogrammer ces robots gadgets avec mon amélioration. Comment tu t'en sors, Clank? Je viens de trouver un nouveau gadget. Oh, wow! C'est quoi? Un versagrappin? Non, attends. Ce serait pas un de ces nouveaux séparateurs d'ions gravomatiques. Faut partager tes découvertes. Je crois que je vais garder ça pour moi. Ouais, merci. Mais il y a toujours un prototype dans les environs. Je vais aller le chercher pour toi. Oh, très bien! Alors, le robot passerelle peut s'amarrer à des fixations distance et déployer en... Ah ouais. D'accord. Toi, c'est pareil alors. Ah attends, non, bah non, celui il doit pas être... Ouais. Ok, il était pas fait pour la passerelle. Oui. Il l'avait. Trop bien ta ligne en fait. Coucou. Très impressionnant. Alors, et toi, je dois le mettre. Je dois pouvoir reprogrammer ces robots gadgets avec mon amélioration. Ouais, mais en quoi? Électrique, non. Ah non, pas électrique. En pont. Ah, d'accord, il me faut l'électricité. Là, je vais maîtriser. Sacré casse-tête. Non. Parce qu'à mon avis, toi, il va me falloir. Ça c'est pour être ici? Non. Ah oui, ben, du coup il m'en faut deux. Je peux rétablir l'alimentation de cette porte des deux côtés, on dirait. Ah, il y a une distance. Je peux rétablir l'alimentation de cette porte des deux côtés, on dirait. Est-ce que j'ai la porte bloquée? Ouais, je sais, lui, il me le faut parce que... Ah, des deux côtés, ah oui, d'accord, j'attends. Ok, ok. Chercher compliqué, mais... Comme ça, lui, il laisse la porte ouverte. Je me disais pourquoi il y en avait trois. Voilà. Ah, les voilà.
Ratchet, à toi. J'ai localisé une paire de magnétibots. Je rejoins ta position maintenant. Mais il n'y a plus rien, parce que... Mortel! J'ai toujours voulu une paire de magnétibots. Bien joué, Clank. À toutes. Chétif pour porter les magnétibots, Clank les restitua à Ratchet. Tous les objectifs disponibles ont été atteints. À part la porte, parce que la porte, je crois que... Jetons un œil chez ce vendeur. Et c'est ici que s'achève notre histoire. À moins que Ratchet ne trouve un crochetage. Lance prédateur. Ah, j'ai pas de... Ton lance prédateur aurait pu parer. Parce que je sais pas du coup, il sera où le... La dernière pièce. Parce que là, du coup, on peut pas y aller. Là, j'ai envoyé. Dans le vaisseau. Où est-ce qu'on va? L'agent de Skid est toujours perdu sur Aridia. Aridia, c'est pour ça qu'il dit Aridia, ok. Bon bah et voilà, c'est la fin de ce petit Let's Play sur Ratchet & Clank. J'espère qu'il vous a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.